Le prophète Sarasim l'a dit, si Allah veut du bien aux gens d'un foyer, il rentre chez eux la compassion. Car la compassion, elle est très utile entre les conjoints et avec les enfants. Combien d'erreurs il se passe entre mari et femme? S'il n'y a pas de compassion, comment on va vivre? Combien les enfants font des erreurs? Des fois déçoivent les parents. On obtient avec la douceur et la compassion ce qu'on ne peut pas obtenir avec la violence. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala l'unf wa ma la yu'ti ala siwa. Certes, Allah aime la compassion et donne par la compassion ce qu'il ne donne pas par la violence ou par toute autre chose. Et vous verrez, ikhwat al-iman, l'islam a toujours demandé d'atteindre ses objectifs ou d'avoir les choses par la manière la plus douce possible. Et que l'islam préconise l'utilisation de la force que quand il n'y a plus d'autres moyens, à part ce moyen-là. Mais la base, la compassion, la douceur, ceux qui méritent le plus ta compassion, ce sont les gens de ta famille. Subhanallah, tu trouves des frères, des fois quand il est avec ses amis, il accepte tout de lui. Mais quand il est avec sa femme, le moindre mot, ça passe pas. Il vient de se disputer tout de suite avec sa femme, il est énervé. Un ami l'appelle, ah, mashallah, marhaban, salam alaykum, ahlan wa sahlan, comment ça va? Et bien, s'il a pu changer pour son ami, il peut le faire aussi pour sa femme. Celle qui partage ta vie, elle est prioritaire. C'est elle qui mérite le plus cette compassion et cette douceur. Kadhalika al-ukht, zawja, la femme. Tu la vois avec le mari, là, tu sais, pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as tanné? Nanana. Quand elle est avec ses amis, machallah, elle accepte tout avec ses copines. Ukhtil Karim, hein? Tu dois accepter de ton mari beaucoup plus que ce que tu acceptes de tes amis.